Bardzo proszę. Je pense qu'on peut donc commencer. Nous avons parmi nous tous les participants et tous les intervenants. La personne qui prépare le sous-titrage est aussi avec nous, donc nous pouvons commencer. Bon. Alors, commençons maintenant. Juste... Nous allons éteindre le partage de l'écran. Roberto, est-ce qu'on peut commencer? Oui, je pense qu'on peut commencer. Oui, vous pouvez commencer, c'est bon, d'accord. Alors, Karim, je te donne la parole. Encore une fois, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde, à ceux qui participent à cette session dédiée à l'inclusion. Je m'appelle Karim Atouani Mohamed. Je représente Télécom Comores et je suis aussi l'un des présidents adjoints de notre agence sur ces îles, les Comores. On a parlé de l'accès à l'Internet à ces milliards de gens qui n'ont pas encore. Nous allons donc, avec nos panélistes, parler de plusieurs mesures qui vont être entreprises pour que l'accessibilité à Internet soit assurée à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons derrière nous des sessions très importantes. Vous savez que ceux qui participent à cette session ont eu une grande expertise. Ils représentent toutes les régions du monde. Maintenant, je vais les présenter. D'abord, Sylvia Cadena. Elle dirige l'un des programmes au sein de l'APNIC. Elle est aussi coordinatrice sur le territoire de l'Asie. Nous avons aussi avec nous Sonia Jorge, directrice exécutive de l'Alliance for Affordable Internet. Il y a aussi l'un des créateurs parmi nos panélistes du premier protocole qui faisait partie de l'Internet dès le début et qui est toujours utilisé, Vince Cerf, l'un des vice-présidents de Google. Nous avons aussi Christian O'Flaherty, le vice-président régional responsable de la sécurité Internet pour la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Monji Marzouk et Mokhtar Yedali, représentants African Union Commission. Et donc, tous nos intervenants ont un grand apport dans la création de l'Internet. Si vous ne savez pas encore trop sur leur biographie, vous pouvez toujours consulter
présenter leur biographie sur notre Internet, je voudrais aussi présenter Roberto Zambrana de Bolivie, de l'IGF Bolivie. Il sera le modérateur et le co-modérateur de cette session. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de poser des questions et utiliser le chat. Je vais lire tous les commentaires au fur et à mesure qu'ils apparaissent sur le chat. Maintenant, commençons notre session. Roberto, je te donne la parole. Merci, Karim. Eh bien, je voudrais remercier nos intervenants d'avoir accepté l'invitation à la participation à cette session. Comme vous le savez, la semaine dernière et à partir de cette semaine-là, nous avons déjà réalisé beaucoup de sessions très fructueuses. C'est le premier IGF virtuel. Beaucoup de concepts se répètent. Il y en a qui sont strictement liés à la pandémie COVID qui nous a forcé à appliquer le lockdown, le confinement mondial, ce qui a fait que l'humanité a commencé à penser de manière différente comment gérer cette crise, comment faire tout pour continuer à vivre dans cette nouvelle situation. Lors de notre réunion, beaucoup d'intervenants ont partagé leur opinion et leur concept par rapport à comment retourner à la normalité dans notre vie. C'est l'Internet qui peut nous servir à cela et c'est une leçon très précieuse qui nous apprend à être plus résistants. Mais malheureusement, cela ne se présente pas ainsi pour la majorité de la population mondiale. La population malheureusement mondiale, oui, la majorité de cette population n'a pas accès à Internet. La pénétration de l'Internet est insuffisante parce qu'il reste encore beaucoup à faire pour ce que tout le monde y ait accès. C'est un concept qui a déjà été réitéré plusieurs fois lors des sessions précédentes. À part tout cela, la question qui a attiré une grande attention du secrétaire général et qui est l'un des volets analysés par le panel de haut niveau qui a été dirigé par Antonio Guterres, eh bien, c'est une question qui est maintenant aussi présente dans la feuille de route, les recommandations pour notre coopération internationale pour l'avenir le plus proche. Lors de la session d'aujourd'hui, nous allons parler des mesures à prendre et quelles mesures peuvent réaliser ce rêve pour que tous nos citoyens, tous ces pays aient accès à l'Internet. Nous avons aussi un vote virtuel pour vous, des questions pour vous que l'on voudrait ensuite poser à nos intervenants. Il y aura 3 tours de questions. Et ensuite, nous allons aussi écouter les participants du panel qui sont présents ici avec nous. Sylvia, d'abord, je voudrais que vous preniez la parole. La première question, ensuite, nous allons passer à d'autres panélistes. Alors, Sylvia, quelles contraintes sur notre chemin pour que l'accès à Internet soit assuré à tout le monde. L'infrastructure mobile de téléphonie mobile se développe tellement dans le monde entier, mais quelles sont tes observations dans ce domaine? Eh bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Bonjour tout le monde, bonsoir. Je suis en Australie, à Brisbane. Il est très tôt le matin, donc excusez-moi si le café ne m'a pas donné suffisamment d'énergie, mais bon, merci de m'avoir invité. Je sais que vous avez mis plusieurs mois pour préparer notre débat. Le point principal autour duquel se concentre notre discussion, c'est quelque chose de très important pour moi, parce que en regardant quel est l'avenir, nous voyons que
Maintenant, la transformation numérique a accéléré beaucoup, mais la situation actuelle nous montre aussi les écarts entre les zones rurales et les zones urbaines. Et ceci a lieu partout. Donc, il y a un grand défi d'optimisation de vie sur Internet. La région Asie-Pacifique est très diversifiée du point de vue linguistique et culturel, mais aussi en ce qui concerne les réglementations en vigueur. Très variés selon les pays en ce qui concerne la gestion des entreprises, mais aussi très variés en ce qui concerne leur infrastructure Internet. À Brisbane, je vis très près de 4 hôpitaux, mais aucun service de télémédecine ne nous a été offert lors de cette pandémie, même si mon docteur a accès à une très bonne infrastructure. En Australie, il est possible de traverser des centaines de kilomètres sans quitter notre état de Queensland. Et donc, à ce moment-là, on peut appeler l'ambulance aérienne qui a d'autre part beaucoup d'expérience dans la télémédecine. Les Australiens ont donc beaucoup d'expérience dans la télémédecine, mais ce qui peut varier, ce sont nos besoins selon le pays dans lequel nous retrouvons. Donc, il faut qu'il y ait cet accès qui soit adapté au contexte local pour que chacun puisse avoir accès à l'Internet. Il faut qu'il puisse en même temps résoudre ses principaux problèmes grâce à cet accès. Donc, on est à la recherche de solutions granulaires. Pour assurer ces services à nos clients, nous sommes ouverts dans la plupart des cas à des modèles hybrides de business parce que les entrepreneurs savent qu'ils ne peuvent pas faire tous en même temps, tout en même temps. Donc, ils veulent travailler avec les opérateurs, ils veulent donner l'accès au marché à d'autres acteurs. Donc, de nouveaux modèles de business apparaissent. En ce qui concerne maintenant les coûts de l'Internet, je voudrais ici souligner trois éléments importants du point de vue de l'Asie et du Pacifique. C'est une région où il y a beaucoup de fléaux naturels, par exemple des cyclones, des tremblements de terre, des incendies de forêt. Donc, il y a beaucoup de frais de coûts à supporter. Les techniciens, les ingénieurs doivent traverser de grandes distances pour maintenir l'infrastructure Internet. Après de tels fléaux, ça consomme beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses. D'autre part, les choses qui sont liées à la réglementation en vigueur, aux exigences liées à nos dispositions, surtout pour ce qui est de la sécurité du réseau. Et le troisième point apparaît ici, c'est-à-dire la nécessité de construire un potentiel technique local qui nous permettrait de détendre et bien maintenir l'infrastructure déjà existante. Merci. Une question très importante et intéressante en ce qui concerne cette région du monde. Berthe, encore une fois, je te donne la parole. Merci Roberto. Je voudrais remercier Sylvia d'avoir caractérisé très brièvement le problème dans sa région. Je pense que son point de vue peut être aussi appliqué universellement. Par exemple, aux États-Unis, nous n'avons pas d'accès à l'Internet homogène, surtout en ce qui concerne les régions rurales. Où les réserves naturelles, la situation est beaucoup plus problématique. Même dans les villes, ce n'est pas suffisant. Il s'agit peut-être de coûts qui sont trop élevés ou bien il manque d'outils nécessaires. C'est ça qui pose problème. Lorsqu'on ne peut pas se permettre l'Internet, on ne va pas l'utiliser, bien sûr. Donc, les coûts sont importants. Ce que j'ai bien aimé, c'est le point lié au fait que l'Internet nous permet de faire tellement de choses. Si on veut être donc plus inclusif, l'on doit penser non seulement à l'accès physique au réseau, au système, au fait que les systèmes doivent être sécurisés, mais il faut aussi penser à l'utilité de l'Internet. Et ceci signifie d'autre part qu'il doit avoir un contenu qui est localement utile et les services qui seraient localement utiles. L'un des bons exemples liés aussi à la pandémie, à ce qu'a dit Sylvia, c'est la télémédecine qui s'est avérée maintenant être
une chose très importante. Aux États-Unis, même si je pouvais aller à l'hôpital à pied, oui, bon, si j'étais très malade, pas trop, mais c'est assez éloigné de chez moi. Le problème, c'était que personne ne m'accepterait là-bas que j'y entre. On me dirait non, non, vous n'allez pas entrer, nous avons peur du coronavirus, appelez-moi d'abord. Ou appliquer la télévidéo, la télémédecine, et ma réaction serait, personne ne m'a vérifié du point de vue de ma santé, personne n'a vérifié ma température, etc. Donc, les applications, tout cela, en ce qui concerne le contexte Internet, sont telles que nous aurons besoin de plus en plus d'outils, équipements, peut-être devrait être encore inventé, qui vérifierait nos paramètres physiques, comment nous nous sentons à distance. Donc, je pense que dans l'avenir le plus proche, je pense que la télémédecine va gagner de l'importance pour un plus grand nombre de personnes. Une autre question, ce sont les nouvelles technologies. Ici, nous observons l'apparition non seulement de nouvelles possibilités mobiles, des technologies de téléphonie mobile, mais aussi la vitesse. Nous avons 5G, l'on dit qu'on va aussi introduire 6G. Il y a aussi de nouvelles ressources satellitaires, par exemple ceux dont s'occupe SpaceX. Il y a des bêta-tests de ces équipements. Et même mes collègues et moi-même ont déjà pu participer à ce genre de tests d'avions alimentés par de l'énergie solaire qui font qui survolent donc la Terre et diffusent le signal à l'Internet. Il y a aussi une entreprise qui a des flottes, qui a une flotte de montgolfières qui peuvent survoler à une certaine altitude. Ils sont gérés et régulés aussi par les courants d'air. Et donc, ces montgolfières nous fournissent aussi le service de 4G. On n'a donc pas besoin d'équipement spécifique à part le téléphone mobile. L'on voit maintenant la nécessité d'utiliser la technologie laser qui se répand de plus en plus et qui permet d'assurer la connexion, par exemple, même sous l'eau. Si ça ne vaut pas le coup, par exemple, de faire installer une fibre optique au fond de la mer, les lasers peuvent nous aider avec leur technologie. Donc, je pense qu'il y a de nouveaux points de vue, de nouvelles perspectives qui se présentent et il faut les voir dans le contexte de l'utilité de l'Internet. Et ce qui est très important ici, c'est le contenu. Le contenu va permettre aux gens de résoudre leurs problèmes locaux. Merci de m'avoir permis de faire la présentation. Oui, tu as parlé d'une chose très importante en ce qui concerne de nouvelles technologies liées aux smartphones, à 5G. Je pense que la plupart de la population aujourd'hui serait reconnaissante d'avoir au moins 4G, que ce soit répandu dans le monde entier. Ça nous mène d'ailleurs à un autre intervenant suivant. Monji va nous parler de son point de vue, c'est-à-dire parce qu'il représente un fournisseur de télécommunications très important. Comment ça se présente de ton point de vue? Merci. Bonsoir tout le monde. Je me réjouis de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Je me réjouis aussi d'avoir l'occasion d'aborder cette thématique tellement importante, c'est-à-dire l'inclusion numérique. Je voudrais souligner au début combien cette inclusion numérique est importante. Bien sûr, la compétence numérique, l'accès, l'accessibilité, tout cela, ce sont les autres éléments tellement importants et aussi le contenu local. Et à la fin de cette introduction, je voudrais aussi dire quelques mots sur différents programmes qui ont été lancés
aussi bien par le gouvernement que par des institutions nationales, supranationales, aussi par des opérateurs de sociétés de télécom qui, normalement, visent à contribuer à améliorer cette inclusion numérique. Nous savons que c'est bien la condition du développement durable et du développement général, global, notamment pendant la pandémie COVID-19. De plus en plus souvent, on constate que le monde est fondé sur l'Internet actuellement, que jamais avant l'Internet n'a été aussi important. Et jamais cette communication, cette connexion n'a été tellement importante pour pouvoir répondre et satisfaire aux besoins basiques. De nombreuses statistiques et de nombreuses études le prouvent d'ailleurs que l'accès à l'Internet n'est pas global. 3 milliards et demi de gens habitent dans les endroits où ils ne peuvent pas accéder à l'Internet. Et des millions d'élèves habitent donc dans les endroits, dans des zones où cet accès n'existe pas. Donc, l'accès à Internet étant une grande barrière, ce que plusieurs rapports confirment. Notamment, il y a un rapport qui a été publié l'année dernière où on a mesuré la présence numérique et il s'est avéré qu'entre 20 et 17% de la population de la Terre habite dans les zones couvertes par les réseaux mobiles. En revanche, y compris par l'Internet à bande large, et 33% seulement utilisent l'Internet. Nous avons donc un fossé énorme, bien visible, entre le pays développé, où presque 97% des habitants utilisent l'Internet, et dans le pays moins développé ou en voie de développement, uniquement 19% de la population sont connectés, sont en ligne. Quelles sont les raisons principales de cet état des choses? Stéphane Michal, qui est le PDG de la société Orange. Donc, le PDG de la société Orange, le GSMA, donc de l'Association des opérateurs de réseaux mobiles, a présenté trois raisons pour expliquer pourquoi la plupart des pays africains ne sont pas connectés. La première raison, ce sont les coûts. Les coûts de l'énergie, les coûts des infrastructures dans de nombreux pays africains où le transfert de données tout simplement coûte trop cher. Toujours. La Commission pour le développement durable en 2018 a constaté que jusqu'à 2055, l'accès à la bande large devrait, ou le coût de cet accès devrait constituer moins de 2% du revenu mensuel. Y compris en ce qui concerne l'Internet à bande large. 49 pays. Y compris certains pays en voie de développement ont rejoint cet accord, ont accédé à cet accord, mais même s'il y a des progrès importants qui ont été faits au cours des années récentes, mais quand même le coût reste un problème pertinent pour plusieurs pays. Donc ça, c'était la première raison, la première barrière, si vous voulez. Donc, le coût. Maintenant, on arrive à la deuxième. Donc, c'est le manque de compétences numériques. Le manque de compétences au niveau de l'Internet. Et ça, c'est vraiment la barrière basique et majeure dans différents pays, quel que soit leur niveau de développement. Ensuite, la troisième barrière, c'est l'absence de contenu dans des langues locales. C'est un obstacle vraiment très important à part l'Europe, les États-Unis et la Chine. Donc, le contenu, normalement, devrait répondre aux besoins des utilisateurs.
Le comité FGI en 2015 a identifié la, une option de politique qui visait à accroître l'accès au réseau, le volume du contenu pour aussi augmenter les efforts visant cette inclusion numérique et permettre un plus grand accès à l'Internet. Différentes institutions nationales, internationales, avec différentes sociétés, ont discuté des aspects variés concernant l'accès à Internet. Et plusieurs parmi elles coopèrent pour remplir leurs lacunes. Donc, par exemple, GSMA, donc c'est une association des opérateurs télécoms. Cette association a lancé une plateforme pour l'Afrique qui a permis une coopération avec les sociétés technologiques, avec le gouvernement, pour finalement améliorer l'accès et pour promouvoir l'accès à l'Internet mobile en se focalisant sur les marchés qui se développent. C'est un programme qui se focalise sur les opérateurs mobiles qui pourtant aussi englobe une certaine promotion de l'éducation, sensibilisation à la question de l'inclusion numérique. C'est un programme qui est aussi soutenu par les gouvernements nationaux et par la communauté internationale. Merci. Beaucoup de choses se passent sur les chats. J'encourage tous les participants à laisser leurs remarques, à échanger. Nous avons entendu quelques données chiffrées. Tout cela nous conduit vers Sonia, encore une fois. Donc, nous savons tous que dans ton institution, vous produisez beaucoup de données statistiques, notamment ce qui concerne le coût de l'Internet, et je voudrais donc connaître tes convictions, tes opinions concernant ce sujet. Merci Roberto, merci tout le monde, notamment les organisateurs, donc merci de m'avoir invité. Tout d'abord, ces discussions sont intéressantes, même si on juste entend, écoute la discussion, si on lit les commentaires. Je pense que ce que beaucoup de personnes ont déjà présenté, en commençant par Sylvia, en disant ce que ça veut dire un bon accès, aussi qu'est-ce que ça veut dire un accès qui n'est pas très coûteux. Tout cela a une grande importance pour notre alliance en faveur de l'Internet bon marché. C'est pourquoi nous avons donc créé ce concept en coopération avec différents partenaires dans le contexte de l'accès à Internet et avec cette idée de l'accès bon marché et de l'accès important. Je voudrais donc attirer l'attention sur deux choses, deux éléments, en me référant à la question que tu as posée, Roberto. La première chose est la suivante. Donc, pour nous, ce type d'accès, cela veut dire que chacun peut accéder à l'Internet chaque jour et à suffisamment de paquets de données avec une bonne vitesse, et cela, tout cela permet d'avoir un bon accès. Sans cela, on ne pourra pas réaliser le service, on ne pourra pas bénéficier de services et bénéficier des opportunités. Donc, on en a déjà parlé lorsque nous parlons de la vitesse du transfert de données, lorsque nous parlons de connexion minimum, donc l'équivalent des 4G. Avec les paquets de données, le mieux si les paquets de données sont illimités, et on doit donc commencer aussi par la fonctionnalité de smartphone. Tout cela, bien sûr, n'est pas une... en tout cas, ce n'est pas une solution tout à fait acceptable. Il faut que les personnes aient l'accès aux services, qu'ils soient créatifs, qu'ils puissent prendre la décision lorsque, avec leur famille, eux-mêmes. Nous ne pouvons pas donc nous ne pourrons pas avoir les connexions bon marché sans cette créativité. Nous sommes en train de modifier le monde et
nous visons à diminuer les inégalités. Nous devons donc assurer un bon niveau d'investissement pour créer un cadre législatif et politique suffisant. Nous avons donc besoin d'un soutien pour avoir ce type de connexion donc significatif et bon marché. Je voudrais aussi me référer à quelques éléments qui ont été mentionnés. Je m'excuse auprès de Mangui, mais les opérateurs sont des gens fantastiques, mais parfois ils ont une compréhension un peu différente que la nôtre lorsqu'ils parlent de du développement. Je voudrais aussi me référer à ce qui a été dit dans le Tchad. Donc, si quelqu'un me dit que 85% des personnes disent que voilà, des personnes ont l'accès mobile, moi je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la vérité. Une grande partie de la population ont l'accès aux réseaux qui ne sont pas fiables, qui ont une qualité plutôt médiocre et qui ne permettent pas d'assurer des connexions suffisamment rapides et suffisamment fiables et pas coûteuses. Donc, cet accès, bien sûr, s'est développé notamment grâce au secteur maintenant, c'est vraiment plus important dans cet écosystème. Nous ne pouvons pas donc penser au développement numérique et à l'accès comme quelque chose de luxe. Non, ça ne peut pas être juste une option. Ça, c'est un bien public, c'est un droit fondamental et c'est tout ce qui nous est offert en moins. En fait, ce n'est pas acceptable. Donc, je voudrais savoir quelles sont les couvertures, les vraies couvertures. Cela veut dire que si tout le monde aura cet accès 4G partout, c'est là qu'on pourra parler de ça. Il ne s'agit pas de plus grande population de gens localisés en ville, mais partout, vraiment partout. Personne ne devrait être délaissé, personne ne devrait être à la marge. On ne peut pas discriminer qui que ce soit. Il faut donc assurer vraiment l'égalité et nous sommes tous responsables pour changer la mentalité, non seulement dans le cadre des investissements, mais aussi si nous parlons des objectifs pour le développement durable, pour garantir que notre cadre législatif et politique au niveau global, au niveau local, national, soit en ligne avec les attentes, pour vraiment donner la réponse, non seulement pour répondre à ces attentes en termes de croissance, mais aussi pour assurer des investissements très raisonnables au niveau du secteur public, non seulement du secteur privé. Nous sommes ici au niveau de FGI, donc vous devez être aussi à l'écoute de la société civile. Si vous êtes à l'écoute des gens, si sans cela, vous n'allez pas comprendre comment les gens veulent s'engager dans leur relation avec la technologie. On ne pourra pas être au service des gens. On ne pourra pas servir à la population. Nous devons donc changer la mentalité. Nous devons garantir que toutes les décisions qui sont prises prennent cela comme vraiment le point central. Donc, je voudrais entendre un peu plus de la part des participants, les chats, les commentaires voient qu'il y a énormément de choses qui se passent. Je voudrais être partout et voilà, et je suis un peu limitée dans mes possibilités. Les chats, c'est vrai, se développent de façon très dynamique. C'était vraiment très, très bien pour une petite synthèse de cette première partie. Maintenant, la deuxième question concernant les règles, l'approche, les motivations et les actions coordonnées devraient être centrales pour le cadre des télécommunications pour avoir un impact sur le développement des investissements, ainsi pour faire diminuer le prix de l'Internet, notamment dans les pays en voie de développement, pour finalement aboutir à une meilleure pénétration de l'Internet au niveau régional. Donc maintenant, je pense qu'on va commencer par toi, Mokhtar. Merci. Avant de passer à cette deuxième partie, je voudrais quand même faire un pas en arrière
pour vous dire ce que c'est cette inclusivité. Qu'est-ce que c'est l'inclusion et aussi l'accès. Vous utilisez ce mot. En m'écoutant, je voudrais que vous voyez différents exemples. Donc, je suis à Addis Abeba, donc on peut dire dans la capitale de l'Afrique. Il y a le film Raptik qui me parvient, mais lorsqu'il y a une coupure électrique, ben, je n'ai plus de connexion. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai une bonne voiture. C'est une BMW. Mais c'est un peu comme s'il n'y avait pas d'essence. Donc voilà, j'ai une voiture, mais sans essence. Donc lorsque nous pensons à l'accès à l'Internet, bien souvent, on oublie parfois d'autres choses. On oublie l'électricité, on oublie le courant. Donc il faut quand même avoir cela bien en tête. Il y a vraiment des éléments qui s'associent les uns aux autres. Donc l'accès à l'électricité et l'accès à l'Internet. Ce sont des choses qui sont vraiment associées. Si vous regardez maintenant la différence entre les zones rurales et les villes, on voit que 40% des gens habitent dans les villes et 40% ont l'accès à l'Internet. Donc, quand nous faisons des choses comme par exemple l'ingénierie, le réseau, alors il faut d'abord se poser la question comment je vais alimenter les stations par l'électricité. Est-ce que je veux poser des câbles par terre? Qu'est-ce que je veux faire? Si je ne suis pas capable d'alimenter, alors cela ne servira à rien. Donc, ça se passe le plus souvent. Lorsque Manji nous dit que nous avons, 85% de la couverture, probablement oui, hein, c'est vrai en quelque part. Donc, un giga ici et là. Mais le problème, c'est que même les personnes qui, théoriquement, ont un signal assez performant, 4G, ne sont pas capables ils ne peuvent pas se permettre d'avoir l'accès. Ils n'ont pas d'électricité chez eux, ils n'ont pas d'appareil, d'infrastructure nécessaire pour pouvoir vraiment accéder à l'Internet et utiliser différentes applications. Donc ça, c'est la question à laquelle nous devons répondre. Nous disons que ce n'est pas notre responsabilité. Nous disons que le secteur énergétique a fait son travail, parce que le réseau est là, nous devons maintenant nous connecter. Mais ce n'est pas la vérité, parce que nous avons besoin d'une certaine coordination des choses. Nous devons voir aussi que nous ne pouvons pas laisser les autres éléments. Donc, si nous parlons des compétences pour pouvoir utiliser l'Internet, pourquoi ne pas parler du secteur énergétique? Pourquoi ne pas parler du niveau de l'urbanisation? Pourquoi ne pas réfléchir comment investir pour agir dans ce sens-là? Il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait des calculs et j'ai vu que le nombre de réseaux en Afrique et l'utilisation de la couverture est moins de 35%. Donc, nous avons énormément de mégahertz ici et là, mais cela flotte, cela vole. Il y a le secteur de transport, il y a la fibre optique, mais ceci n'est pas utilisé. Donc, ici, nous devons donc former notre politique en prenant en compte le fait que nous devons penser à développer l'accès raisonnable à l'Internet, donc avec cette perspective plutôt large. Encore une chose que je voudrais ajouter à cela, que les autres personnes avaient des choses très intéressantes à dire. Oui, merci pour la région africaine ressemble beaucoup l'Amérique latine, parce qu'il est aussi dans le sud. Et nous avons ici Christiane O'Flaherty, soyez bienvenue, et nous sommes aussi prêtes à t'écouter. Si tu peux prendre la parole maintenant. Je suis vraiment très reconnaissante d'être invitée à participer à ce panel, à cette session. Donc, moi, j'ai rencontré quelques-uns parmi vous, donc par exemple Windsurf, ça fait des années, et à l'époque, on construisait des réseaux, on utilisait le matériel, on apprenait les choses, et les gens comme Vint nous apprenaient comment utiliser ce matériel. À l'époque, on a dû faire des efforts énormes
pour construire dans nos pays, y compris en Amérique latine. Sylvie, à l'époque, était en Colombie, pour construire toutes ces solutions. Il n'y avait pas d'infrastructure nécessaire dans tous les pays. Il fallait vraiment construire à zéro. Pour construire quelque chose qui était complètement méconnu des gens. Donc, pour cela, il fallait vraiment convaincre les grands chefs pour qu'ils soient prêts à investir. Et quelques années plus tard, la situation a beaucoup évolué. L'Internet a commencé à avoir des liens avec les affaires, avec les fournisseurs de services, qui ont vu une étude de cas. Donc, ils ont vu un profil, ils ont commencé à utiliser leur propre réseau. Nous avons donc attendu que nos maisons, que nos universités soient connectées au réseau. Et depuis quelques années, il y a une nouvelle norme qui est apparue, qui est liée à la possibilité d'être connecté au réseau. Nous nous sommes rendus compte que c'est quelque chose qui va rester avec nous pour longtemps, mais qui a une grande valeur. C'est aussi bon pour le divertissement. Et il y avait donc ce que le business proposait, c'était très clair, mais à part cela, il y avait certaines régulations qui étaient mises en place par le gouvernement. Donc, tous ces systèmes ont été construits, ont été mis en place pour pouvoir développer l'Internet sur la base des modèles business pour les fournisseurs de l'Internet. C'était une affaire bien réussie. Ce système était possible, donc on pouvait donc connecter la moitié du monde. Mais maintenant, la situation que nous avons aujourd'hui ressemble à la première étape de cette solution technologique. Donc, le système actuel, en fait, va dans le sens d'améliorer l'accès. À chaque fois où où on est connecté, on peut avoir de meilleures technologies et tout ça, mais quand même, là où les gens ne sont toujours pas connectés, en fait, ça ne change rien. Cela veut dire que nous avons dû donc faire un pas en arrière. On a dû donc donner la possibilité de soutenir les zones qui ne sont pas connectées à l'Internet. Hein. Donc, pour toutes ces populations qui ne sont pas connectés, pour finalement pouvoir assurer ces connexions, pour que les petites sociétés, les petites localités soient branchées, soient connectées pour un prix bon marché. Pour que ce soit possible, nous avons dû nous adapter, nous avons dû apporter des changements, nous avons dû aussi créer un nouveau contexte, un nouvel environnement. Il a fallu donc apporter des changements dans ces zones qui n'étaient pas connectées. Ce qui veut dire que nous avons dû nous adapter, nous avons dû apprendre de nouvelles compétences qui n'étaient pas connectées, et ce n'est pas uniquement les zones rurales, mais cela était aussi vrai pour les villes. Comme Sylvia, comme Vint ont dit, il y avait aussi des endroits, des zones qui n'étaient pas très éloignées et qui finalement avaient ce besoin d'avoir une bonne connexion. Parfois, il y avait des problèmes avant qui concernaient par exemple le prix de la connexion. Parfois, c'était la question plutôt de l'infrastructure ou la question de l'alimentation. Ce type de connexion n'existait pas, donc il fallait la créer. Il fallait donc être aussi ouvert à ces changements. Et tout cela, parfois, peut être difficile. Donc, tout cela peut être difficile à faire aussi pour, par exemple, persuader les régulateurs, pour persuader le monde d'affaires, pour persuader tous ceux qui peuvent, qui n'arrivent pas à comprendre comment le monde est formé et construit. Et nous avons dû donc nous préparer à cette adaptation parce qu'au moment où les adaptations sont mises en place, il faut donc faire des modifications, il fallait donc modifier les décisions prises avant. Et ces changements de décision étaient nécessaires parce que toutes les décisions initiales n'étaient pas nécessairement pertinentes et efficaces. Il fallait faire preuve d'une ouverture d'esprit et aussi avoir de bonnes personnes pour participer à ces décisions. Les gouvernements qui participaient au projet de la préparation de nouvelles règles, de nouveaux cadres réglementaires, de nouvelles infrastructures,
devait aussi donc faire impliquer le plus grand nombre possible de différentes parties prenantes. Si nous voulons que les choses bougent, nous devons toujours nous référer à toutes les possibilités. Nous devons analyser toutes les possibilités existantes. Et nous devons aussi être vraiment braves. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus tellement difficile parce que nous avons cette possibilité de supporter ceux qui ne sont pas connectés. Cette année, comme c'était d'ailleurs dit, beaucoup de choses qui sont évidentes n'ont pas été tellement évidentes dans le passé. La valeur de l'Internet autrefois n'était pas tellement reconnue comme c'est le cas aujourd'hui. Et autrefois, il fallait donc persuader que nous allons prendre les décisions qui pouvaient paraître un peu risquées. Aujourd'hui, cela est évident. Donc, il faut donc maintenant surmonter les barrières, ou plutôt les effacer, pour appliquer les nouvelles solutions infrastructurales. Et comme je l'ai déjà dit, tous ces changements parfois sont vraiment préparés pour le business, pour les affaires, mais il y a aussi des barrières qui sont importantes pour les petites sociétés ou pour la communauté locale. Donc, il y a parfois de petits éléments du réseau qui doivent être construits pour pouvoir connecter d'autres endroits. Tout est préparé maintenant pour des grandes sociétés. C'est le cas le plus souvent rencontré. Nous avons aussi des entremises, des intermédiaires qui normalement agissent au niveau des capitales. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui paraissaient avant très visibles lorsque nous parlons de régions qui sont très éloignées du centre des villes. Et maintenant, il faut se demander quelles sont les barrières, quels sont les besoins, comment on peut donc soutenir ces régions qui ont besoin de ce soutien. Voilà, donc ça, c'est ma proposition. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, Christian. Bien sûr, oui, j'ai vu les commentaires qui disent des actions précises. Tu as aussi mentionné les difficultés que nous devons surmonter et les inclure dans notre analyse. Ça se réfère à ce qu'a dit Sylvia. Maintenant, je vais me tourner vers Sylvia pour lui demander quelles mesures vont être entreprises pour surmonter les problèmes que nous venons de mentionner. Sylvia. Merci, Roberto. En revenant aux arguments que je viens de présenter, excusez-moi, mais une fenêtre du secrétariat est apparue et je n'ai pas vu l'écran. Excusez-moi, oui, je me suis perdue un peu. En revenant aux arguments que je viens de mentionner au début de ma présentation. Alors, maintenant, je vais peut-être les mentionner dans un ordre différent. Premièrement, il faut prendre en compte le taux d'investissement pour la des capacités technologiques de l'Internet. L'Internet doit être rapide, infaillible et bon marché. Il doit aussi être lié au potentiel nécessaire. Son maintien aussi doit être bien assuré. Bien sûr, parfois, ça pourrait paraître de la magie. Ça résonne tout très bien avec le commentaire de Christian dans le contexte de cette réunion il y a 20 ans, lorsque Vid était notre professeur. À ce moment-là, on a voulu voir comment fournir l'Internet en Amérique latine. Maintenant, 20 ans plus tard, je suis en Asie et beaucoup de défis restent toujours sur place. Donnez-moi une seconde parce que j'ai des problèmes avec mes notes, juste pour revenir à mes notes. Bon. Alors, entre-temps, peut-être, je voudrais dire que l'on a reçu vos réponses dans la session Q&A. Sur le chat, il y a un débat très vif. Certains d'entre vous disent aussi à la fois le Q&A et le chat, mais je vous prie bien de
Posez vos questions à travers Q&A question answers. Karim enregistre toutes les questions et les systématise pour qu'après nos participants y réagir. Excusez-moi, je suis déjà prête. La deuxième chose que j'ai voulu présenter qui est liée aussi à ce qui a été dit par Christian, c'est-à-dire que ce qui est très important, c'est de mener un débat ouvert et franc entre les régulateurs, les opérateurs et les agences gouvernementales, parce qu'on parle de l'impact financier et de la conformité avec la loi. Ça peut avoir un impact négatif lorsqu'on applique des solutions technologiques qui ne sont pas en ligne avec les dispositions juridiques, surtout en ce qui concerne l'Internet qui est dans les régions très éloignées. Il faut prendre en compte tous les acteurs concernés du marché, comme ça a été déjà dit auparavant, et soutenir les changements pour les grands opérateurs où compliance est très important. Du point de vue de leur business, et c'est déjà lié à ce qui a été dit par Monji. Je pense qu'il y a un grand malentendu en ce qui concerne ce qui est vraiment derrière les portes fermées et les défis auxquels se heurtent les opérateurs, aussi bien les petits opérateurs que les grands opérateurs. Ce dialogue doit se faire de manière ouverte et parfois c'est vraiment difficile parce que si l'on montre toutes nos cartes, on les pose sur la table, cela veut dire que l'on abandonne une partie de notre avantage compétitif. C'est pour cela que des groupes d'opérateurs de réseau jouent un rôle important parce qu'il faut qu'il y ait un contact entre opérateurs pour parler des questions techniques et liées au business pour agir selon et en conformité avec la loi. Encore, je considère qu'il faut soutenir une coordination dans le cadre de la gestion des catastrophes pour bien se préparer à ce genre de situation imprévue pour reconstruire le réseau. Et donc, dans ce contexte-là, je peux vous donner un exemple. C'est l'exemple de l'un des cyclones qui nous a beaucoup affectés. Il faut bien comprendre ce que les petits fournisseurs de l'Internet ressentent. Par exemple, Telsat a utilisé 17 antennes pour connecter l'une des îles. Eh bien, elles ont toutes été prêtes, opérationnelles. Et si d'autres antennes ne marchaient pas, la même situation était en Nouvelle-Zélande, eh bien, ça change le paysage technologique de manière considérable. Donc, le coût de reconstruction de l'infrastructure plusieurs fois, c'est-à-dire chaque été, quand le cyclone est là, c'est un grand impact, ce genre de dépenses sur l'économie. Et pourtant, la population à laquelle l'Internet est fourni est vraiment petite. Donc, il est vraiment difficile d'obtenir des marges sur ces prix-là. Par manque sur l'électricité, eh bien, c'est lui qui a parlé de ces questions-là, je pense. Donc, il s'agit de bonne coordination entre les cadres juridiques qui peuvent donner des avantages à la communauté locale. Il faut donc trouver les liens entre la fourniture de l'électricité et de l'Internet. Alors, ici, on parle de liens concrets. Il faut aussi tenir compte des pays moins développés, plus isolés. Beaucoup d'innovations techniques ont été introduit, visant à supporter l'introduction de l'Internet qui sont en conformité avec les dispositions liées à la fourniture de l'énergie, parce que la fourniture de l'énergie, dans ce contexte-là, soutient l'extension de l'accès à l'Internet. Ainsi, on peut faire deux choses en même temps, c'est-à-dire que les cadres juridiques gérée par une agence indépendante. Ceux qui travaillent sur la technologie souvent voient des problèmes à ce que ce soit équitable sur une grande échelle. Je vais écrire encore des infos sur le chat là-dessus parce que nous avons à faire une nouvelle très intéressante qui s'appelle l'innovation solaire soutenue par Microsoft. C'est un lien entre la technologie de fourniture de l'Internet et de la production de l'énergie, mais les cadres juridiques ne permettent pas la durabilité, malheureusement, de cette solution.
Peut-être qu'il y a encore d'autres solutions. Maintenant, je voudrais en terminer là. Merci. Je voudrais encore donner la parole à Vin. Nous savons très bien qu'il avait l'occasion de gérer plusieurs questions liées à la réglementation par le passé, mais je crois qu'il va aussi répéter quelques remarques qu'il a écrites sur le chat. Pour ceux qui ne suivent pas le chat, je vous encourage à le faire bon, ou à écouter vite. Oui, encore une fois, je vous remercie de me donner la parole. Sur le chat, eh bien, j'y vois beaucoup de choses intéressantes. Beaucoup de choses intéressantes s'y passent. D'une fois, nous avons les présentations, ce dont on débat ici. Mais d'autre part, il y a un débat en parallèle, tout à fait en parallèle, sur le chat. Et personne ne s'interrompt sur ce chat-là. Et j'observe cette discussion. Souvent, les gens cessent de discuter pour écouter les présentations. Eh bien, il y a cette question, comment suivre tout cela? Parce que ça paraît vraiment très chaotique comme réception où tout le monde parle. Mais revenons à notre sujet. Alors, premièrement, il y a un spectre très large d'exigences qui doivent être remplies pour que l'Internet soit effectivement utile. Et ceci va de la fourniture en électricité à travers des choses liées aux matériaux, aux câbles, aux fibres, les applications, les versions linguistiques, les applications, les compétences sur l'utilisation du système, mais jusqu'aux connaissances, comment utiliser l'Internet de façon sûre. Ce sujet n'est pas encore apparu ici, mais nous savons tous que c'est un environnement qui n'est pas tout à fait sûr. Le software que nous obtenons, les outils que nous obtenons peuvent ne pas pouvoir se défendre eux-mêmes contre des malwares ou des attaques de tout genre. Donc, ceci constitue un problème considérable. Donc, la plupart des gens, y compris nous tous ici présents, moi-même, nous ne sommes vraiment pas capables de sécuriser notre équipement, nos outils de façon adéquate. Nous ne sommes pas des programmistes, il y a beaucoup de langages de programmation. Et donc, les questions liées à la sécurité, aux compétences, c'est une chose importante dont il faut tenir compte. La chose suivante, juste à la fin, je voudrais dire qu'en écoutant toutes les inspirations, et les descriptions de problèmes à résoudre, eh bien, je voudrais dire, même si on arrive à résoudre tous ces problèmes-là, nous allons créer, selon moi, quelque chose de très vulnérable, une infrastructure très vulnérable sur laquelle nous allons nous appuyer. Et maintenant, ce qui me stresse, c'est que nous nous basons sur des systèmes très complexes. Je parle ici de software. J'ai vraiment écrit beaucoup de software, programmé beaucoup. Et souvent j'ai commis beaucoup d'erreurs, j'ai encore mal à la tête quand j'y pense, donc je sais ce que ça veut dire. Donc nous, en tant que population, en grande mesure, nous nous basons sur les connaissances, le savoir-faire des programmistes, des programmeurs, mais non seulement sur leurs compétences, mais nous comptons aussi à ce qu'ils trouvent des erreurs. Mais comment savoir d'où ces erreurs viennent? Peut-être elles viennent d'une source jusqu'à notre outil final, parce qu'il y a des choses qu'il faut toujours actualiser. Donc tout ceci doit être résolu si nous voulons utiliser de ce grand outil, mais un outil très complexe que nous voulons inclure dans notre vie quotidienne. La pandémie n'a fait que souligner à quel point nous étions de plus en plus dépendants de cet outil. Maintenant, quand les gens ne peuvent pas se contacter directement, ils l'utilisent encore de plus en plus. Ce qu'a souligné aussi la pandémie, c'est des inégalités de réponse. Il y en a qui, en fait, ne sont pas capables de travailler sans contact direct avec les autres. Nous avons donc
Il y a un spectre très large de problèmes auxquels il faut se référer. Les panélistes, d'ailleurs, en ont déjà parlé. Maintenant, pour ce qui est des avantages, eh bien, dans cette session, il y a aussi d'autres personnes au sein de l'IGF qui veulent vraiment et qui sont à la recherche de solutions à ces problèmes du point de vue technique et économique. Et ça, ça me donne un peu d'espoir que la discussion comme celle d'aujourd'hui vont nous mener à l'élaboration de solutions précises qui feront que l'Internet sera accessible pour la plupart de la population. Merci Vint encore une fois. Un récapitulatif excellent de cette partie de la session. Maintenant, passons à la partie numéro 3. Y a-t-il des modèles de business de communication concrets liés à la fourniture de services Internet qui seraient, auraient une grande signification en ce qui concerne l'extension de l'accès à l'Internet? Quel est le rôle de grandes organisations dans ce genre d'investissement? Commençons par Sonia. Bonjour, merci. Ça a été un grand plaisir d'écouter tous les intervenants. Je veux juste me référer à ce qui a été dit par Vind, les erreurs au software qu'il faut réparer. Eh bien, la première chose pour encourager à l'innovation, à l'apparition de nouveaux modèles de business, il ne s'agit pas seulement du côté du financement, mais il s'agit de soutien aux opérateurs qui adaptent une nouvelle façon de penser. Eh bien, il faut premièrement d'abord résoudre les questions juridiques et législatives, parce que c'est grâce à une nouvelle législation que les nouveaux opérateurs peuvent mieux agir dans cet écosystème. Je dirais que ce genre de modèle de business, et je suis sûre d'ailleurs que Christian va revenir à ce sujet encore, ce sont des modèles de business qui soutiennent l'application, l'introduction de plusieurs réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà fait beaucoup dans ce domaine. Des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très prometteur. Ça nous donne un grand espoir pour l'avenir parce que ça nous montre comment on peut atteindre les communautés qui étaient exclues, qui n'avaient pas l'accès à Internet, qui étaient vraiment très loin du réseau. Donc, il ne s'agit pas seulement de penser à tout type de coopération entre opérateurs, mais aussi à tout un réseau d'opérateurs qui pourraient combler des lacunes dans le système. Il y avait ces lacunes parce que nous avions une façon de penser traditionnelle concernant les régulations, les politiques. Ce qui était favorisé, c'était les grands opérateurs, mais eux-mêmes, en tant que tels, ne peuvent pas connecter tout le monde et assurer l'accès à l'Internet de façon rentable à tout le monde. Donc, la résolution de problèmes législatifs ou la correction d'erreurs législatives est quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'erreurs de ce genre. J'en occupe d'ailleurs beaucoup de mon travail. Il y en a que je voudrais souligner. Notamment, c'est quelque chose qui est lié à ce qui a été dit par Mokhtar, c'est-à-dire qu'il y ait une grande coopération entre le secteur informatique et de l'énergie, que l'infrastructure soit mieux planifiée, coordonnée et qu'on ait un meilleur échange d'infrastructures, partage d'infrastructures, mais aussi une meilleure coordination dans la planification de l'infrastructure pour réduire le coût total, surtout du côté infrastructure. Et à ce moment-là, les économies pourraient être transférées. Ici, je parle d'économies aussi liées à la planification de l'infrastructure de l'énergie pour réduire les coûts du côté du client. Donc, transférer cela pour réduire les frais que doit encourir le client. Et encore une fois, une chose qui est très importante pour ce qui est des providers complémentaires, il faut avoir une approche innovative par rapport au spectre. Ça doit être une norme, pas une exception. C'est-à-dire que dans chaque région maintenant du monde, on doit prier les régulateurs à qu'il y ait
être attribué pour obtenir l'accès à un wifi public. Ça doit être juste fait automatiquement. Donc, tous les régulateurs doivent permettre à travers la législation une étendue en pourcentage qui serait assurée pour le bien public, que chacun ait un accès à l'Internet grâce à ces spectres. Oui, nous avons déjà parlé de Wi-Fi auparavant. Nous avons eu de la chance parce que nous avons déjà eu accès à cela dans beaucoup de parties du monde, mais il y en a où il n'y en a vraiment pas, et c'est lié à ce genre de problème législatif. Il suffit juste de volonté politique suffisante et d'implication des parties concernées. Encore une chose sur les investissements et des parties intéressées. Alors, vous devez savoir que nous avons travaillé ensemble avec ITU et c'était assez récent. ITU a fait un grand progrès pour ce qui est du changement de la façon de penser par rapport à la numérisation. Nous sommes vraiment fiers de cette coopération. Nous avons créé un rapport intitulé Connecting Humanity pour que d'ici 2030, il y a l'accès universel à l'Internet minimum 4G à tout le monde. Et l'une des choses que nous avons explorées lors de cette analyse accompagnant le rapport était à quel point il est important de coopérer, travailler ensemble, le travail entre toutes les parties prenantes dans tout cet écosystème. Tout ceci pour avoir de bons investissements, de bons partenariats pour atteindre les objectifs prévus, plus de 400 millions de dollars d'investissements qui sont nécessaires, indispensables dans les 10 années à venir pour atteindre ce niveau de connectivité. Et ici, toutes les parties prenantes, chaque partie prenante a son rôle à jouer, non seulement en tant qu'investisseur, mais en tant qu'entité qui vont nous assurer que nous n'allons pas oublier les investissements dans le réseau, mais aussi dans les compétences numériques, le contenu et les changements législatifs. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut croire en ce changement. Ce changement est vraiment possible. Je ne veux pas peut-être être trop naïve ou provocatrice dans mes propos, mais j'ai déjà parlé avec mes collègues en préparant cette question de cela. 480 milliards de dollars, ça pourrait paraître une grande somme, mais ce n'est pas vraiment beaucoup. 42 milliards par an, le monde dépense plus de 400 milliards pour des sodas. Donc, c'est quelque chose dont on n'a vraiment pas besoin. C'est la somme qu'on dépense par an pour acheter des sodas. Si nous considérons que l'accès à l'Internet est plus important que les sodas, je pense que nous allons le réussir à faire cela ensemble et lutter pour que ces fonds soient dépensés plutôt pour l'amélioration de l'accès à Internet. Donc, un appel de ma part. Soyez nos partenaires, agissez dans cet écosystème. Nous savons ce qui doit se faire, mais nous devons faire de notre mieux pour que les personnes ayant les ressources appropriées les utilisent au profit du public et non pas au profit des individus, parce que cela ne suffit pas. Merci encore une fois. J'espère qu'on aura encore une occasion d'échanger. Merci. Merci Sonia, c'était vraiment une très bonne introduction de cette partie questions-réponses. Maintenant, on passe maintenant à Manji. Manji, merci. Donc, tout d'abord, il faut que je réponde à ce que Sonia a dit. Donc, il y a quelques années, nous avons créé un rapport concernant la couverture par le réseau mobile. Les données ont été fournies par les gouvernements respectifs et je dois dire que je connais par exemple, bon, je suis d'accord en ce qui concerne la qualité de la couverture par le réseau, mais je voudrais quand même dire que cette lacune d'accès constitue toujours un problème,
mais ce qui est plus important, c'est de diminuer les coûts. Les compétences numériques sont aussi importantes parce que nous avons plus de 3 milliards de personnes qui vivent, vivent dans les zones couvertes, plus ou moins bonnes, 3G ou meilleures, mais quand même n'utilisent pas l'Internet. Et nous avons aussi environ 1 milliard et demi, en tout cas moins que 3 milliards. Donc ça, ce sont les personnes qui n'ont pas d'accès au réseau, qui n'ont pas de couverture. Donc il nous paraît que ces chiffres s'approchent du nombre de personnes qui n'ont pas d'électricité. Cela concerne notamment l'Afrique subsaharienne. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant. Donc, il y a des liens très forts entre l'électricité, le réseau électrique et l'accès au réseau de l'informatique. Je suis d'accord pour dire que cette couverture par le réseau constitue toujours un problème. Lorsque nous constatons qu'il existe des régions, qu'il y a toujours des régions qui n'ont pas de couverture, nous savons que c'est bien la vérité. Je sais, je le sais en tant qu'ingénieure dans la société des télécoms, mais c'est aussi pour cette raison que cette connexion doit exister, que nous devons chercher des solutions innovantes, nous devons créer de meilleures politiques et nous devons offrir des fréquences en fréquence basse. Et nous devons aussi nous référer à cette couverture, améliorer la qualité, bien sûr, améliorer les transferts et aussi améliorer la couverture par le réseau, bien sûr. Mais franchement parlant, sur les zones rurales, la couverture n'est pas un problème aussi grand. Nous devons aussi assurer les compétences numériques. Donc, la protection des données, ce sont les éléments, bien sûr, que nous devons apprendre. Cela n'est pas tellement facile à chaque fois où nous sommes sur tel ou autre site web. Nous devons parfois répondre à un tas de questions. Ce ne sont pas des choses faciles. Nous devons apprendre cela aux gens pour que les compétences des gens, les compétences numériques dans différents pays s'améliorent. Et nous, en tant qu'opérateurs, mais aussi le gouvernement de différents pays, doivent donc faire des efforts et faire une pression pour que ça soit une prestation universelle. Donc, ce n'est pas uniquement la question de l'accès, mais aussi la question d'une offre adaptée pour la population. Donc, ce deuxième élément est aussi très important. C'est l'inclusivité. Ceci est très important. Il faut donc que nous coopérions avec le gouvernement, avec les fournisseurs du matériel pour par exemple avoir un impact sur le prix des smartphones, le prix du matériel, donc la couverture par le réseau, la compétence numérique, aussi le contenu local. Donc le contenu local, l'insertion, l'inclusion aussi, donc cela permettra de rendre les services plus performants. Donc voilà, ce sont les 4 éléments sur lesquels nous devons nous concentrer en travaillant tous ensemble. Mais la couverture par les réseaux, oui, bien sûr, ça reste toujours un problème, mais il y a aussi d'autres problèmes, les coûts, les compétences, ce sont les éléments qu'on doit aussi résoudre et ce sont les éléments de plus en plus importants lorsqu'on parle de tout ce qui concerne l'inclusion. Merci. Manji, maintenant Mokhtar, est-ce que tu pourrais te répondre en utilisant tes propres expériences? Peut-être que tu t'en souviens. Je parle ici notamment des expériences acquises en Afrique, avec des exemples peut-être concrets, tangibles que tu pourrais partager avec nous concernant toutes ces actions qui pourraient être réalisées par certains opérateurs pour assurer, pour garantir les services à un bon marché. Alors, Mokhtar, je te donne la parole. Merci. Franchement parlant, il me serait difficile de trouver un exemple, un bon exemple maintenant qui serait, si j'allais parler de l'Internet bon marché. Bon, la raison, c'est qu'en Afrique, malheureusement, la plupart des opérateurs, ce sont des opérateurs d'en dehors de l'Afrique.
Le plus souvent, tout ce qu'ils cherchent, c'est le retour sur investissement et non pas vraiment le développement de technologies de l'informatique sur les continents africains. Bon, c'est leur droit. Mais avant de passer à ce sujet, je voudrais quand même répondre et rebondir sur ce qui a été dit. Sonia a dit quelques mots importants. Donc, Sonia, je te remercie. Je voudrais donc rebondir sur un point peut-être pas très grand, mais quelque chose qui était un bug, un dysfonctionnement dans la solution législative peut à un certain moment devenir, donner lieu à une grande tragédie. La plupart des pays africains se trouvent dans un piège de recyclage de mêmes solutions de régulation. Et tout cela est maintenu, tout cela est finalement très pérenne. Et cette bague, cette erreur est maintenue et finalement se transforme en une tragédie. Donc la plupart des cadres législatifs proposés en Afrique, ce sont les choses qui ne prennent pas vraiment en compte notre spécificité. Aux États-Unis, le programme FCC qui accepte par exemple les programmes à bande large, le programme de Obama, tout cela n'est pas pris en compte par les institutions qui se lancent en Afrique en disant, ben voilà, nous vous apportons quelque chose qui est bon, qui est efficace. Nous vous donnons donc les licences qui probablement ne répondent pas tout à fait à vos besoins africains. Donc, les besoins locaux, ne sont pas pris en compte. Bon, donc on oublie un peu, voilà, donc on a donné à l'Afrique un certain modèle de gestion, de licence, un modèle qui est issu d'un monde extérieur par rapport à l'Afrique, sans prendre en compte le caractère spécifique de ce continent, sans prendre en compte le niveau très bas de compétences. Et pourtant, ce sont les éléments qui devraient être pris en compte. Nous avons créé au début certaines agences de l'accès universel. Cela est devenu une façon pour obtenir un financement. Mais malheureusement, les opérateurs en Afrique s'oppose énormément à l'idée de réseaux sociétaux. Donc, ce type de réseau pourrait vraiment résoudre le problème. Mais les opérateurs qui viennent d'en dehors de l'Afrique, ils s'opposent à cette idée un peu partout. C'est comme ça, c'est la vérité. Donc, pour répondre à la question, oui, donc il y a ce besoin. Il y a un besoin que les pays africains, que les pays qui se développent résolvent leurs problèmes législatifs, qu'ils résolvent les bugs, les erreurs pour permettre aux opérateurs de pénétrer dans les régions où le niveau de connexion est moins élevé. Il faut assurer une bonne coordination, donc il ne suffit pas d'assurer l'accès, il faut aussi assurer l'alimentation, l'électricité, l'urbanisme, le développement des infrastructures de façon très large. Et c'est seulement lorsqu'on réussit à connecter tout cela, on verra que tout cela pourra vraiment fonctionner très bien ensemble. Merci. Et maintenant, voilà, on est à la fin de cette session. Et encore, Christian, à la fin. Donc, merci, Robert. Avant de passer au modèle business, je voudrais encore soutenir Mokhtar, ce que Mokhtar vient de dire, pour vous donner quelques exemples. Mokhtar, Sonia, on parlait de différents besoins donc par exemple le besoin d'adapter nos voies, d'avoir un bon cadre légal, juridique. Nous coopérons avec les communautés locales, d'ailleurs je vais y revenir dans un instant, dans les endroits où il n'y a pas de case business pour les sociétés qui donnent l'accès, qui peuvent créer l'accès. Néanmoins, nous arrivons à créer des réseaux durables là où il n'y avait rien, où personne n'utilisait ceux qui étaient déjà affectés à cette région. Personne ne pouvait utiliser cela parce que ce n'était pas possible.
On a déjà dit qu'il y a de nouvelles technologies qui apparaissent. Il y a aussi de technologies qui sont perfectionnées. Donc, par exemple, comment on améliore le cadrage. Aujourd'hui, nous avons déjà le logiciel de source ouverte donc, pour desservir ce réseau. Donc, il n'est pas difficile pour de petites communautés, pour de petites sociétés de créer leur propre réseau. Même si parfois ce n'est pas très rentable pour telle ou autre société, mais on peut le faire à soi-même s'il y a bien sûr une possibilité légale. Mais bien souvent, on voit que ce n'est pas possible parce que telle ou autre bande a été, telle ou autre fréquence a été achetée par quelqu'un. Donc, nous essayons de changer certaines choses, de faire bouger les choses. Nous savons qu'il faut changer des choses. Maintenant, la question concerne aussi les modèles business. Nous savons que les modèles business actuels sont bien souvent bien efficaces et il y a des sociétés pour lesquelles ce modèle fonctionne très bien. Mais il y a aussi parfois des contextes, des situations où il faut avoir une approche tout à fait différente. Il y a une chose qui parfois fait très bien ses preuves. Donc, lorsque, par exemple, une communauté est responsable de créer son propre réseau, de se connecter, et là, il devient tout à fait clair et évident que ce n'est pas la question concurrentielle, compétitive, c'est une question complémentaire. Donc, eux, ils doivent créer leur propre réseau, créer l'accès à ce réseau. Et les opérateurs, normalement, ne doivent pas considérer cela comme une concurrence parce que de leur point de vue, cela montre que, voilà, avant, cet accès n'était pas accessible. Donc, de petites sociétés ou des organisations non gouvernementales peuvent donc créer leur propre réseau, peuvent créer un service qui sera rentable au niveau local. J'ai déjà dit qu'il y avait beaucoup d'options qui sont accessibles aujourd'hui et qui permettent de faire fonctionner un réseau local à bon marché. Donc, il faut encourager les communautés locales à créer des services dont elles ont besoin et pour qu'elles identifient et suppriment les barrières qui aujourd'hui ne leur permettent pas de construire ce réseau, ce petit réseau. Pour que ces solutions soient efficaces et durables, il faut vraiment faire pression sur cet élément de société. Donc, il faut avoir vraiment accès à un groupe de personnes bien organisées qui veulent agir ensemble, résoudre ensemble leurs problèmes. Ensuite, il faut les préparer comme il faut. Ce ne sont pas des choses très compliquées. Bien sûr, il y a des risques qui viennent avec, qui sont liés à la sécurité. Il y a, par exemple, la question liée au logiciel. Nous ne pouvons pas avoir un modèle business standard où nous allons avoir un fournisseur qui tout simplement vient pour installer, configurer le matériel. Parce que dans ces endroits-là dont je parle, cela n'est pas possible. Cette communauté ne pourra pas se permettre ce type de service. Cela est trop coûteux. Si nous restons uniquement avec les procédures que nous avons. Donc, les standards de grandes sociétés ne vont pas être efficaces dans ce petit communauté. C'est pourquoi il faut donc former ces personnes pour que ces gens-là soient capables de créer leur propre réseau. Mais il faut aussi les former pour que les réseaux qu'ils construisent soient vraiment sûrs. Il faut que ces personnes sachent connaissent le risque, connaissent le danger. Donc, la deuxième partie, c'est de construire les compétences. Il faut que cette communauté soit bien formée, soit puissante. Il faut que ces personnes sachent ce qu'ils configurent, ce qu'ils construisent. À chaque fois, il faut bien sûr avoir un financement. Mais si nous comparons les finances, les moyens financiers qui sont nécessaires pour assurer la couverture standard par une société par rapport à ce que cela va coûter pour former les gens, pour assurer le matériel, ce sont des choses complètement incomparables. Nous
devant donc chercher des partenaires qui vont agir conformément au système, à ce système qui voudront nous aider. Donc, nous soutenons cette infrastructure au niveau de petites communautés. Et bien souvent, ces petites communautés peuvent vraiment avoir l'accès en utilisant aussi les infrastructures publiques qui sont inaccessibles pour certains opérateurs. Mais quand même, cela appartient à cette communauté. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Par exemple, les infrastructures qui sont dans le sol, on peut créer un tour pour assurer le transfert sur telle autre parcelle. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le modèle business qui est durable. Donc, nous cherchons des partenaires et des communautés qui seraient prêtes à fonctionner comme ça et coopérer avec nous. Merci, Christian. Nous sommes à la fin de cette session. Il nous reste uniquement 5 minutes pour des remarques de clôture. Je sais qu'il est difficile de vraiment d'aborder toutes les questions que vous voudriez mentionner ici dans ces interventions de clôture, mais avant de passer à cela, je voudrais demander à Karine qu'il nous lise quelques questions. Karim, est-ce que tu peux lire les questions? Merci Roberto, bien sûr. Donc, il y avait beaucoup de questions qui ont été posées. La plupart des questions ont aussi été déjà abordées pendant l'échange qui s'est déroulé sur le chat. Mais par exemple, Magdao voudrait qu'on réponde à la question suivante. Est-ce qu'il y a de bons exemples de la politique gouvernementale aussi de projets d'aide multilatérales qui soutiennent le réseau dans les communautés locales, dans des zones éloignées et qui pourraient aider à résoudre la situation dans différents pays. Et puis la deuxième question, si on dépense de l'argent pour les réseaux, qu'est-ce qui pourrait se... Si on peut, par exemple, pourrait dépenser de l'argent pour augmenter le périmètre de chaque réseau. Ensuite, à Sierra Leone, l'Internet est toujours très cher et l'accès à la campagne est inaccessible. Donc, quel est le rôle de ITU pour soutenir ces communautés locales? Mokhtar pourrait répondre à la première question et on verra comment, est-ce que si les autres panélistes pourront traiter les deux autres. Mokhtar, je te donne la parole. Merci. Je ne travaille pas pour ITU, mais voilà, je travaille mais pour la Commission de l'Union africaine et non pas pour ITU. L'Union africaine et les États membres de l'Union africaine, pendant la rencontre ministérielle en 2019, ont pris la décision de soutenir ce continent pour notamment élargir l'Internet. Nous avons aussi une très bonne coopération avec différentes sociétés et organisations pour, par exemple, nous avons commencé à promouvoir ce type de réseau au niveau de communautés locales. Je ne veux pas dire des choses controverses, mais nous ne voulons pas non plus nous opposer aux autorités locales. Nous gardons l'intérêt de ceux qui sont opérateurs, qui ont des licences, mais nous voulons aussi bien sûr faire en sorte que ces infrastructures puissent être présentes là-bas. Et voilà, bien sûr, en ce qui concerne le spectre, ce n'est pas la question de l'argent, c'est la question du développement en tant que tel. Nous devons donc utiliser ces solutions pour le bien, donc nous parlons de ce spectre par rapport au développement. Donc, c'est comme ça qu'on fait cette politique. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mokhtar. Avant de passer aux dernières remarques de la part des intervenants, je voudrais juste dire une question. Je ne sais pas si tu as bien répondu à cette question. Si le gouvernement nous pose la question, quels sont les points à appliquer pour soutenir l'extension de l'accès à l'Internet, qu'est-ce qui devrait se trouver parmi ces réponses, parmi ces options? Eh bien, qui voudrait commencer? Toi, oui.
Je pense que la réponse est très simple. Ça dépend. Ça dépend où vous trouvez, quelles sont les conditions locales, quelle est l'accessibilité de l'Internet, quelle est la variété de paramètres à prise en compte dans une situation spécifique. Mais qu'est-ce que doit faire le gouvernement dans une telle situation? Comment soutenir les investissements dans l'infrastructure par des paiements directs, par exemple, ou par d'autres méthodes qui pourraient être introduites, adapter la politique aux investissements ou la compétitivité. Le gouvernement a tout un éventail d'actions à faire pour motiver les investisseurs dans le cadre de l'infrastructure. Merci, Sylvia. Merci, Roberto. Je pense que nous revenons maintenant à l'argument principal que j'ai présenté, c'est l'investissement dans le capital humain. Si les gouvernements n'oublient pas que les gens qui les ont choisis, c'est grâce aux citoyens qu'ils sont au pouvoir. S'ils oublient ça, ils vont aussi oublier qu'ils parlent de ces gens-là. Si l'on investit dans un potentiel plus grand, si on investit dans un plus grand nombre d'équipements, ça a été déjà mentionné sur le chat, où on investit dans d'autres solutions qui sont accessibles. Il faut bien les contrôler et adapter nos objectifs pour lesquels ils sont construits. Il faut toujours tenir compte à ce moment-là de ce qui est au cœur de nos décisions, ce sont les individus, notre boussole. Je veux dire, j'ai aussi dit qu'il est vraiment difficile d'appliquer notre décision en se basant sur de telles règles que les droits de l'homme, par exemple. Et je vous encourage à ce que vous retrouvez ces valeurs dans votre organisation. Quelles sont les règles régissant les innovations efficaces, les règles liées à la responsabilité indirecte, etc. Ce sont des choses qui doivent être soulevées. Et il faut s'en tenir à cela. Mais le problème, c'est que nous oublions toujours que dans nos activités, il faut se concentrer sur les individus. Nous agissons au détriment des individus, souvent. Il nous a pris 25 ans pour connecter la moitié du monde. Je suppose qu'il nous reste encore 25 ans pour connecter le reste du monde. On va voir comment les choses vont évoluer. Sylvia, merci. Maintenant, Christian. Oui, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit et de donner quelques exemples illustrant comment on peut identifier les contraintes, les barrières ou bien les incitations, les encouragements. Lorsque nous nous tournons vers le régulateur pour obtenir un accord, une autorisation pour un spectre ou l'utilisation des éléments de l'infrastructure, on reçoit souvent une réponse négative sans justification. Pourquoi elle est négative? Souvent, la raison de cette situation, c'est que un processus est en cours, quelque chose ne peut pas se faire, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on ne peut pas faire certaines choses. Abolir les barrières qui bloquent le développement pour créer un espace ouvert à la discussion. À chaque fois qu'il y a une proposition, il faut faire quelque chose qui pourrait aider à connecter les gens les uns avec les autres. Donc à ce moment-là, il faudrait inviter à notre débat le plus de gens possible pour nos problèmes communs. Par exemple, si l'on obtient une autorisation, à ce moment-là, si on obtient aussi des justifications et des réponses raisonnables, on sera capable d'y répondre. Comment identifier? Il faut identifier ces barrières de façon transparente, mais il faut d'abord savoir quelles sont les décisions prises par les gouvernements. Et là encore, il devrait y avoir une discussion très large avec la participation de tous les parties prenantes. Mais il s'agit en fait d'une culture de travail transparent basée sur les règles de coopération. Merci Christian. Maintenant Monji. Les dernières remarques, Monji,
Voilà, merci. Tout d'abord, je suis d'accord avec Mokhtar en ce qui respecte même la vérité, c'est que nous avons vraiment besoin d'une meilleure législation, de meilleures dispositions sur les spectres, mais aussi une meilleure politique qui serait adaptée aux conditions locales, aux régions très éloignées, isolées. Il faut aussi procéder au partage de réseaux. Et donc, c'est une question qui a besoin de... on a besoin de partager la fréquence, par exemple. Là où il y a des problèmes, il faut le faire. Vous savez, par exemple, comment ça s'est fait en ce qui concerne l'énergie électrique. J'ai été ministre chargé de l'énergie et à ce moment-là on appliquait beaucoup de solutions en dehors du réseau, par exemple des panneaux solaires, des batteries solaires, et grâce à cela on a pu faire baisser les coûts de l'énergie. Ça a été appliqué parce qu'on a préparé justement des solutions adaptées aux conditions locales des provinces éloignées. Comme j'ai déjà dit au début de ma deuxième intervention, c'était que pour moi le plus important, c'est la question liée à une meilleure utilisation de l'Internet pour que les gens y profitent mieux. Et tout ceci pour augmenter les compétences et pour que les gens connaissent les nouvelles applications, savoir comment s'en servir. Merci, Monji. La dernière intervention, Sonia. Oui, merci, Roberto. Je pensais qu'il allait y avoir encore quelqu'un après moi, mais après ce que vous avez tous dit, ce qui a été vraiment parfait, donc il n'y a plus grand-chose à ajouter. Et je voudrais juste une chose que j'ai déjà écrite sur le chat, eh bien que nous devons nous pencher plus sérieusement sur tous ces problèmes et y introduire le problème du genre dans nos débats, les problèmes liés au point de vue des, prendre en considération le point de vue des habitants des zones rurales. Il faut que les gouvernements aient des objectifs clairs sur un meilleur accès à l'Internet. Donc, nous avons aussi besoin des mesures visant à effectuer des mesures. Nous pouvons être rendus responsables, comme les hommes et femmes politiques aussi sont rendus responsables. J'appelle à ce qu'ils établissent leurs objectifs de façon claire. Ça doit être des objectifs concrets qui concerne toute la population et aussi y compris la population des femmes, ici c'est l'élément de genre, mais aussi des réponses à des besoins de la population rurale, parce que je pense que ce sont des groupes qui sont fortement marginalisés et même exclus de ce processus de numérisation. Donc à part tout ce que je viens de dire, je dois dire qu'il faut qu'on soit plus intentionnel en établissant des solutions pour les autres secteurs dans le monde entier. Il faut que cette intentionnalité se concentre en grande mesure sur les groupes les plus démunis. Merci. Merci, Sonia. Nous avons dépassé le cadre temporel qui nous a été attribué. Donc, je voudrais remercier tous nos participants, tous nos intervenants. Merci beaucoup. Merci de vos présentations excellentes lors de cette session. Et nous sommes conscients que la plupart des recommandations seront prises en compte dans le dialogue qui a été instauré il y a un certain temps, il y a longtemps. Selon moi, l'avenir est très prometteur. Nous devons maintenir le dialogue qui s'opère entre toutes les parties prenantes et espérons que nous aurons la possibilité de parler des méthodes créatives qui nous permettraient de vaincre la situation liée à l'accès
accès à l'Internet avec des coûts raisonnables. Et enfin, il faut assurer l'accès général à tout le monde. Je voudrais remercier Karima Toumani et tout le secrétariat de leur grand soutien à l'organisation de cette session. Vous allez obtenir toutes les adresses. Il y aura aussi encore d'autres occasions d'échanger. Merci, merci aussi à toutes les personnes que nous ayons écouté cette session fantastique. Merci, au revoir.